Salut la VOD, on va à Barcelone. Mais sur Huesca, on va à Barcelone. C'est cool. Allez, parti. On est dans un emballage plastique, en fait, pour info. Je sais que ça vous intéresse pas, donc je vous le dis quand même. Ah, ça va, on rigole un peu, non? Faut pas rigoler? Bon, ok. On a encore un Mercedes. C'est cool, ça. Avec l'intérieur modé que j'ai installé. Intérieur rouge. C'est beau, le rouge. Tu sais que j'aime bien le rouge, hein. Je sais pas si vous l'avez déjà dit. Je sais pas si sur la chaîne vous l'avez remarqué ou pas. Donc, voilà. Donc, Huesca, Barcelone, 100% Espagne. Sympa en tout cas le... Oh, un McDo, on va s'y arrêter. Non, c'est pas McDo ça. Si, c'est un McDo ça. Y a pas le logo, mais c'est un McDo, on est d'accord. On est d'accord que c'est un McDo ça. Tout le monde l'a reconnu. Tout le monde reconnaît les McDo. N'empêche, le McDo, tu vas dans n'importe quel pays, tu parles pas leur langue, tu vas au McDo parce que c'est le point de référence. Tu sais pas quoi manger, t'as pas envie de tenter les restaurants parce que tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, t'arrives pas à traduire les cartes. McDo. McDo. En plus, ça m'est déjà arrivé, je fais quelques voyages à l'étranger et vu que je parle pas à l'étranger comme langage, c'est compliqué. Mais voilà, du coup, j'y étais et puis tu vas devant un restaurant, tu lis leur carte qu'il y a devant leur porte et tout. Tu dis c'est quoi ça, c'est quoi ça, ou Google Traduction qui traduit mal. Tu te retournes, tu vois le grand M de McDonald's, tu dis ouais, McDo, finalement. Finalement, peut-être que ce soir, pour ce soir, ça ira bien, on verra demain, on tentera demain les restaurants. Non, franchement, le McDo, c'est quand même le point de repère. Voilà. Quand t'es perdu, tu vas au McDo. C'est con, hein, mais tu prends 10 kilos, mais au moins, t'es pas perdu. Ça va. Un PC de ouf pour Transportiver, il faut un PC potable, par contre, je pense. Après, j'ai pas essayé sur un PC nul, donc... pas un PC de ouf, non. Ou le panneau, c'est bon, ça passe. Faut pas un PC de ouf, mais faut un PC potable. Ouais, magnifique camion, toujours en Espagne, il est 15h44, on arrive dans 2h41. La VOD sera courte, je vous préviens, sauf gros problème d'accident. On verra. On est parti. Oh quoi, que cette vitesse, c'est bon, hein. Oh, on se calme, hein. Ok, ce trajet n'est déjà plus rentable. Merci, merci à tous. Ouais, faut aller où, la droite, gauche. On va plus régler la vitesse, hein. C'est plus très de faire des conneries au niveau de la vitesse. Hop, 90. À 80, d'accord. Ça freine là en plus. Allez, c'est parti. Régulateur. Bon, ouais, en tout cas, vivement la fin de semaine que je puisse tester la 4G. Si, je sais pas combien de temps ils mettent free pour envoyer les cartes SIM. Faut encore que je souscrive à l'abonnement, j'y ferai cet après-midi, enfin après le live. Mais ouais, pour en revenir à la 4G, j'espère que ça va vraiment m'aider pour les lives. Enfin, peut-être de la vraie qualité. Alors, je promets pas de la 1080p, hein. Je pense qu'on restera en 720p, mais en fait, si vous préférez, quand je fais un live, je choisis un débit vidéo. Et ce débit vidéo dépend de la connexion des gens, bien sûr. Enfin, de ma connexion à moi. Et ce débit vidéo fait la qualité de la 720p ou 1080p, par exemple. Si j'ai un débit de merde, en gros, il n'enverra pas l'image en belle qualité. L'image sera toujours la même taille, mais la qualité sera différente dans cette image-là. C'est pour ça que j'espère que la 4G, c'est la solution. C'est plutôt rapide. Ok, bah cool. Alors, si je peux l'avoir, parce que je reçois logiquement la box 4G jeudi ou vendredi. Donc, si je peux y recevoir en même temps, ça m'arrangerait.
Est-ce qu'il y a des jours fériés? Il y a plus de jours fériés là hein, pour l'instant. Hein. Il me semble pas. Je crois pas, hein, donc c'est plus cool. Donc on va voir. Hop, allez, on va mettre le régulateur à 90. Il est plutôt léger, hein, 20 tonnes, emballage plastique, ça va. On met les feux dans le tunnel. Est-ce qu'il faut faire le plein? Non, le plein, ça ira. Si, le 21 mai. Ah, le 21 mai est férié. Oh, bah, c'est la semaine prochaine, donc ça va. Tellement de jours fériés, incroyable. Attention, petite descente, attention à l'excès de vitesse. Bon, on le fera, j'ai pas eu de traîner. Et là, paf radar. Non, ça va. Voilà. Il faut freiner par contre là. Vous freinez, hop, on se met à droite. Hop, il n'y a personne, on y va. Oula, la barrière. La barrière. C'est bon. Yeida, hop. C'est bon. 80 km/h. Je prends les ronds-points peut-être un peu vite. Hein. On peut me l'accorder, ça. Prise de rond-point un peu rapide. Il n'y a plus de musique. C'est gênant. Bah c'est pas grave. Est-ce qu'on peut se garer? Non, on peut pas trop se garer là. Ah si, elle arrive. Ouais, c'est bon, il y en a, mais on l'entend pas. C'est une musique calme, c'est pour ça. On l'entend pas, le camion fait trop de bruit. Faut attendre la celle d'après qui fera un peu plus de bruit. Bon, y a personne dans cette ville, hein. On est tranquille. On prend les ronds-points n'importe comment, y'a personne, c'est une personne. Oh, petit feu rouge. Allez, passe au vert, non, tu me fais arrêter. Je vais m'arrêter, passe au vert. Je suis pas encore arrêté. Ah, je suis arrêté là. Bon, ça va, il passe pas au vert tout de suite. Ah ouais, ça file de devant. C'est long, c'est très long. Ce feu est très long. C'est quand tu veux. Oh, il y a encore l'autre fil devant. C'est pas croyable. Je vais être en retard avec ces bêtises, moi. Allez. Ah, c'est bon. On est reparti. Et c'est le Brian. Salut, salut. À la ville qui est quand même limitée à 80 km/h, ça fait plaisir, ça. Le régulateur. Ah, il y a un feu rouge. Passe au vert. Attends, je vais m'arrêter, hein. Oh là là. On a loupé le créneau là. On a loupé le créneau, ça va pas ça. Ça va pas. Finalement, le trajet est court. Mais avec tous les feux rouges, on va arriver à la même longueur de trajet que les autres.
en termes de minutes, pas de kilomètres. Sympathique l'intérieur. Oh, la petite vitre là-haut. Allez, viens, c'est go. Go, 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 go. On remet le régulateur. Avoir qu'un rond-point, c'est un peu une mauvaise idée. Je sais pas pourquoi c'est à 80 ici avec tous les ronds-points et tous les feux, t'as pas le temps d'attendre la vitesse. Sauf que t'es une voiture, remarque, ouais, les voitures elles peuvent. Hop, on passe devant le camion. Hop, on prend toute la place. Il n'y a personne, on se fait plaisir. Il y en a un peu à gauche, ouais, vu que là-bas faut aller à gauche. Autant le faire maintenant, on va être bloqué par les voitures. Dépasse-toi, t'as raison. Moi je vais là à gauche. Hop. Hop, on va serrer à gauche pour laisser passer le collègue. Voilà, il veut pas, c'est pas grave. Reste là-bas. Oh, stylé la route à côté avec le camion là qui bouge. Enfin, qui bouge, qui roule. Alors, on est reparti, autoroute. Régulateur à 90. Comme ça, ça accélère tout seul. Ouais, la route est quand même longue hein, à faire. Enfin, ouais, non. Non, ça va, mais bon, voilà. Avec tous les feux rouges, tous les ronds-points et tout. C'est sympa. En fait, cette route, il aurait dû nous faire passer par la nationale pour un peu augmenter le temps de parcours. Mais je sais même pas si. Remarque, il y a peut-être une là, attendez, bougez pas. J'ai peut-être loupé la nationale, carte du monde. On va regarder un peu la carte du monde. Est-ce qu'on peut pas rattraper la route après? Ça charge. On a déjà exploré 1% dans ce live. C'est incroyable. Ah ouais, il y avait tellement de moyens de couper par la route là. Et qui revenait là. Ah, dommage, 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 dommage. Bon, tant pis. C'est pas grave. Mais il y avait moyen. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Bah du coup ce sera trajet autoroute hein. Dommage. Hop, on s'insère. C'est tout droit. Barcelone. Au pire, tu prends la prochaine sortie. Non, après, je peux pas. Il n'y a pas de sortie qui permet de rattraper cette nationale. Ah, si, remarque là à droite, j'aurais pu. Ah, ouais, à droite, j'aurais pu là. Non, c'est pas grave. Bon, on la fera après cette nationale. C'est pas gênant. On la fera sur un autre épisode ou un autre live. On verra.
Attendez, attendez, je sais pas, attendez. Est-ce que là je peux pas? Carte du monde. Ah non, il y a que l'autoroute là. En fait, ouais, la route que j'ai loupée, c'est celle-là. Et on aurait pu juste faire cette partie-là. Et rejoindre l'aire de repos. Ok. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Quoi comme jeu après? Bah, rien. Et bah, rien. Ouais, donc, okay, c'est pas grave. C'est bon à savoir la prochaine fois. Et en fait, ça rejoint l'aire de repos qui est ici, la route. Allumer les feux. C'est 18h, on va laisser allumer les feux, c'est pas grave. Vu qu'on est un peu dans l'ombre là. J'ai pas touché encore la Morienne sur Trends. J'ai pas encore touché. Oh putain, mais qu'est-ce que tu piles comme ça, toi, putain. Ouais, sur autoroute, hein. Putain, non mais les gens, mais c'est incroyable. Incroyable. Allez, ça me saoule, hop. Il y a trois voies, personne ne se met à droite. Barcelone, on arrive. Nous voilà. Vous voyez que je conduis quand même mieux que dans Assetto, hein, pour le coup. C'est quand même mieux qu'Assetto. Il n'y a pas photo. Non mais, et les gens qui pilent, non mais sérieusement. Pourquoi ils se mettent à 30 km/h? Allez, lui, accélère. On se met à droite là, ok. Bah, du coup, je suis en montée, j'ai plus de vitesse là. Et ouais. Hop, voilà, là on va à droite. Km/h, on se met à droite parce qu'il y a trois voies. Voilà, Barcelona, parfait. À 80 par contre ici, on met le régulateur. Ouais mais il marteau lui. Il me coûte la route comme ça, c'est incroyable. Heureusement que j'ai freiné, hein. Heureusement que j'étais en phase de freinage, parce que sinon c'était l'accident. Pareil quand vous conduisez, alors je suis pas un conducteur poids lourd, hein, IRL, mais c'est un bon réflexe à avoir qu'on m'a appris. C'est quand vous dépassez un camion. Restez le moins longtemps possible dans son angle mort. Dépêchez-vous, parce que on sait pas, il peut être déconstruit par autre chose, il oublie que vous êtes là, à cet endroit-là. Il vous voit pas arriver et il peut se déporter sur vous. Alors quand vous oubliez un camion, faites vite. Dépassez pas la vitesse, hein, mais traînez pas. Voilà, c'est le petit message de prévention routière. Et pas pareil pour n'importe quel véhicule, hein. Quand vous dépassez, restez le moins possible dans les angles morts. Mais un camion, vu qu'un camion a beaucoup plus d'angle mort qu'une voiture, c'est quand même plus compliqué. La grosse ville, hein, Barcelone, hein. Beaucoup de routes. T'as lui qui dépasse un peu, hop, on va mettre le clignotant, ça faut aller là-bas. Ah oui, quelle idée de mettre des buissons dans les ronds-points aussi.
Ça, c'est réaliste en plus. Mais les gens qui. Enfin, les maires ou je sais pas qui décident de mettre des buissons dans les ronds-points, c'est formidable. Et ils ont vraiment tout compris au code de la route, enfin, à la prévention routière. Oh, un rond-point? Eh bah ben, allez, on masque la visibilité en mettant. Et l'autre, mais. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux toi? Oh là 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 là, mais il y a de ce jeu, incroyable. Incroyable. Mais donc oui, donc les maires qui disent ah bah à rond-point, allez, on va masquer la visibilité de ce rond-point. C'est tellement génial. Ah c'était pas par là, merde. Ah. Bah si ça y va là, non? Ça y va pas? C'était pas ici? Oh y'a trop de routes, c'est compliqué hein. Bah c'est pas grave, on va faire un tour hein. Tour gratuit. On découvre la map en même temps, c'est pas mal, c'est magnifique. Ça fait combien de constats aujourd'hui? Oh bah peut-être une centaine je pense. pas loin de 100. Ça y va pas là? Ah dommage, j'aurais tellement aimé rentrer là-dedans. Bon, y a pas de train. On va dire que non, j'ai mis celui-là, c'est ok. Y'a personne, on y va. Hop, et c'est reparti. En plus, honnêtement, j'ai pas fait trop d'accidents de ma faute, hein. A chaque fois, c'était les autres, on est d'accord. Ah, mais c'est bon. Ah, si, c'est bon. Franchement, j'ai la conduite plutôt pas mal. Je conduis quand même bien. Je fais quelques erreurs, je suppose, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, là, faut tourner à droite là. Non, mais j'ai fait exprès de me tromper pour que la VOD dure plus longtemps. Et ouais, parce qu'on était qu'à 20 minutes là. Au moins, grâce à ça, ça sera peut-être à 25 minutes. C'est quand même mieux. Un peu sec la voie ferrée là. Non, en vrai, une voie ferrée ça saute pas comme pas autant. Tu peux la prendre rapidement. Plus rapidement que ça. Pas non plus à fond, mais bon. Hop. Où en avez-vous besoin? Juste ici, ok. Allez, c'est parti. Garage de remorque. On va faire ça comme ça. Hop. Extérieur. En fait c'est chiant. La caméra qui tourne avec le volant c'est quand même bien pratique, mais pour te stationner c'est compliqué. Là je suis mal pris honnêtement. Je me suis mal pris, on va s'y reprendre. Hop, voilà. Ah, je me suis trompé de sens, c'est pas grave. Non, en vrai, c'est pas gênant. On se remet bien droit. Juste à reculer en marche arrière. Enfin, en fait, c'est compliqué de. En vue extérieure, ce qui est compliqué, c'est de se dire que quand on tourne à droite. Enfin, pour tourner à droite dans notre vue, faut tourner volant à gauche. Vu que c'est inversé quand on regarde comme ça le camion. Non, mais encore une fois, c'est pour que la VOD dure plus longtemps. Voilà, pour le référencement YouTube, ils aiment bien que les vidéos soient un peu plus longues. Je déconne, hein. Je m'en fous complètement du référencement. Sinon, je ferai du Fortnite et puis voilà. Ce serait la méthode simple, faire du Fortnite. C'est par exemple du ETS2 que je vais être référencé dans la top tendance. On est d'accord, donc voilà. Hop, allez, c'est bon, ça ira bien.
Prends tes emballages plastiques. Voilà. Excellent, nickel. Je suis toujours néophyte, d'accord. Bon voilà, merci de regarder la VOD et à repasser en live comme d'habitude. À plus YouTube.